Alors, on a choisi délibérément dans cette émission ce soir, en ce lundi, d'ouvrir la semaine avec, avec la voix. Voilà. D'ailleurs, les paroles incréées nous enseignent que tout a démarré avec la parole. Donc, quand il y a la parole, il y a de la voix. Et ce soir, on a deux invités qui ont cela en commun, qu'elles jouent de leur voix avec une certaine maestria. Il y en a une qui est chanteuse, Isis Kingé, qu'on avait déjà reçue, qui n'avait pas eu le temps de dérouler tout ce qu'elle sait faire sur la scène live de la télé d'ici. Donc, ce soir, elle aura l'occasion de le faire. Et puis, on pourra donc l'apprécier, la juger à sa juste valeur. Elle est certainement, ces dernières années, la Camerounaise la plus ivoirienne des Camerounaises. D'ailleurs, d'après certaines indiscrétions véhiculées par Sonia Eglise, il paraît qu'elle était, elle aurait été retenue ici par son âme sœur. Bon, on ne se fera pas le relais, évidemment, des bruits de couloir. Isis Kingé, qui reprend ce soir, gentil pour l'invitation de la télé d'ici. À ses côtés, Audrey Keïta, qui est juriste de formation et qui, comme ça, sur un coup de hasard, s'est jetée dans la comédie-voix. Elle fait des voix off. On l'a rencontrée par accident sur les réseaux sociaux et donc on a tenu absolument à l'avoir en plateau pour en savoir un peu plus sur apparemment cet autre amour, cette autre vocation qui était quelque peu latente. Voilà planter le décor de la télé d'ici. Sonia est avec nous. Il n'y aura pas Glisse ce soir, qui ne se sent pas très bien. Elle sera de notre certaine demain. Et on a un invité surprise en cours d'émission, c'est Charlie Bell, qui est un leader politique qui nous visitera dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacyonline.ci. Une télé d'ici très vocale ce soir, ce sera ici tout au long de cette émission et cela jusqu'à 19h35 avec deux invités qui nous font ce soir la gentillesse, l'amitié de répondre à notre invitation. On va parler de leur amour, c'est une forme d'amour aussi quelque part. Audrey Keïta, bonsoir, merci d'être là. Bel et bien bonsoir. La question que je vous pose, est-ce que c'est vraiment la voix d'Audrey ou est-ce que c'est un fake? Oh, c'est ma voix. C'est vrai? Effectivement, oui. D'accord, parce qu'on ne sait pas avec les comédiens voix, on ne sait pas si c'est un personnage qu'on campe ou... Non, ça c'est la voix normale, d'Audrey. C'est la voix normale, oui. D'accord. Tu peux nous faire une voix d'homme? Non. Bon, ça dépend de ce que tu veux, hein. Ça c'est la voix de... Ça tire un peu sur la voix de notre réal, ouais, Ossou François, qui a une voix comme ça, une voix perdue quelque part dans la nature, vers un pays attier. Isis Kingé, ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Rayonnante comme, comme la dernière fois. Merci. Peut-être plus rayonnante d'ailleurs. Ah ouais. Et pour toi, visiblement, le look, ça a une certaine importance. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu véhicules à travers ton look? Je chasse le complexe, je m'affirme et je... En tout cas, tu t'affirmes, ça c'est sûr. Ouais, je m'affirme carrément. Parce que je me dis, les filles avec des rondeurs, on aime toujours nous frustrer un peu. Donc, je veux dire qu'on peut être comme tout le monde. Bah ouais. Ça, c'était dans un... ça c'est fini, ça, non? C'est très lointain, au contraire. J'ai l'impression que les femmes avec les rondeurs ont pris le dessus, là. Jusqu'à les gens font la chirurgie pour vous ressembler, tout ça. Il faut qu'on vous... C'est bien, merci. Merci beaucoup, si c'est comme ça. Merci beaucoup d'être là, Isis Kingé. Sonia, ça va? Ça va. Je me sens seule, mais ça va. Ça, c'est un titre de Noël Douré. Je me sens seule, sans amis. Oui, Noël Douré, qu'on a invité la semaine dernière, qui nous a d'ailleurs délivré un excellent live. Vous allez bien, messieurs et dames? C'est parfait, c'est cool. Donc, on a, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors, Isis Kingé, c'est une chanteuse camerounaise qui a choisi de ne plus partir de la Côte d'Ivoire, mais je pense qu'elle est partie récemment. Oui. Et elle est revenue. Chercher le reste de ses affaires, elle m'a dit. Ah, c'était ça le truc. Ça, Sonia, vas-y, dis-nous tout. C'est Sonia qui avait donné cette info en scoop. La dernière fois, tu sais, nous avait dit qu'elle est restée parce qu'elle a rencontré la côte, qui avait la côte, qui a fait que la côte. Donc moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu es allée au Cameroun? Mais ça, c'est toi qui avais dit ça. Que la côte a fait ceci. On m'a ressorti la VAR. OK. Donc je lui ai dit, mais pourquoi tu es allée au Cameroun? Tu as dit que tu te sentais bien. Elle a dit, mais il faut que j'aille chercher le reste des affaires, dire aux parents que c'est bon, je suis installée. Ah, c'est une affaire comme ça. D'accord. Et c'est qui l'heureux élu?
Non, mais il n'y a pas d'heureuse, lui, check. Ah, c'est un malheureux, lui, alors? Non, ouais, il n'y a pas encore. Il ne sait pas à quelle sauce il sera bouffé, en fait. Voilà. Bon, apparemment, ils voient comme ça, ils se disent, c'est peut-être pas accessible. Pourtant, c'est accessible. Venez, on ne comprend pas ce qui se passe. Bon, voilà. Mais la côte, là, on n'a pas encore trouvé ça, de toute façon. Ça, c'est un vrai sujet, parce ouais. que généralement, on dit que les belles femmes ont du mal à trouver des hommes, c'est vrai? C'est ça. Parce que les hommes, on peut se dire, bon, elle est déjà prise. Ah, ou alors, si je vais me faire très mal, mieux vous restez dans mon coin. C'est la réalité qui est là. C'est vrai. Des fois, ils voient, ils ont peur d'approcher, ils ont peur de parler, ils ont peur de venir. Non, c'est sûr qu'elle est trop élevée, elle est trop... Mon frère, viens d'abord. Ouais. Et puis, elle t'est dit maintenant si c'est... si c'est ça. Donc, ce soir... Donc, ce soir, pour ceux qui rêvaient de savoir s'il y avait moyen ou pas, s'il y avait possibilité ou pas de conquérir la côte, ben écoutez, vous avez la réponse. Vous pouvez y aller sans aucune forme de transition. Voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas son contact, Sonia est là. Vous pouvez passer par Sonia qui semble être connaisseuse de ce dossier-là. Donc. Ah, ça. Mais la leçon de cette histoire, c'est que, allez-y, si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est ça aussi. Mais si c'est possible, au moins, vous auriez gagné quelque chose. Ah. Il faut oser dans la vie. Venez quand même. Venez, voilà, essayez. Hein. Comme si on a mangé quelqu'un. Oui, bien sûr. De toute façon, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est ça. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a quelques années de cela, quand vous essayez, alors, il faut demander. Quand vous demandez, mettez-vous en tête que ça sera non. Comme ça, quand c'est non, ben c'est non. Quand c'est oui, c'est bon. Oui, on est content. On est content, voilà. Au moins, on n'a pas perdu, quoi. Bon, merci beaucoup pour cette leçon de philosophie, cette grande sagesse pour ouvrir ce lundi. Je pense que beaucoup vont... aborder cette semaine-là avec beaucoup de sérénité désormais et certainement prendre les devants. D'accord. On va beaucoup parler de voix, encore une fois. On va parler avec Audrey, qui est juriste, qui... On ne sait pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête aussi. Hein? Je ne sais pas si c'est si ennuyeux que ça de lire des documents de droit. Non, elle nous dira dans quelques instants. Je propose qu'on revienne sur le précédent passage d'Isis Kingé sur la scène live de la télé d'ici. Ça vous dit ou pas? Ouais. Juste pour planter un peu le décor, hein, Audrey? Ouais, c'est bon bien. Ce serait bien, non? Mm-hmm. C'est mieux que tenter votre chance et tout, là. Regardons ça. J'ai fini par le tromper. Aujourd'hui sur la terre, plus rien ne me fait barrière. Dans le ciel, elles ont cessé mes prières. Hier, toutes tombées devant mais à présent, pas tout je peux rentrer. Ah oui, 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 actuellement je suis devant. Je suis dans mon temps. Oui, je suis dans mon moment. C'était le 10 novembre. Ouais. Nous sommes le 16 janvier, on va voir ce qui a évolué entre-temps. D'accord. Là, ce sera dans quelques instants. C'est non, le 10 novembre. On n'avait pas fait de balance. Il n'y avait pas eu de balance, il n'y avait pas eu de répétition, il faut le préciser. Non, ce qui nous avait d'ailleurs poussé à un peu raccourcir le temps du live pour des raisons totalement indépendantes de la volonté d'Isis Kingé. Voilà. Ce soir, elle a eu l'occasion de faire tout ce qu'il y a lieu de faire et donc elle va s'affirmer, au propre comme au figuré. Merci déjà pour ça, chaque événement. Oui, oui, ça va se faire. Ça se fera. Alors, Sonia est allée... Enfin, Sonia, parfois, quand elle s'ennuie aussi, elle s'occupe à faire des choses. Exactement. Et c'est quoi, cette fois, ce week-end, qu'est-ce que tu as fait pour ton crash test? Écoute, c'est moi qui ai Attention, fait ça. Attention, OK. T'inquiète. Ouais. Ce que vous allez voir dans la vidéo, c'était l'essai. Mais voilà le résultat. Le résultat? C'est lourd, hein, cette affaire. Résultat, ouais, non, ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller tester. En fait, vu que j'ai vu qu'à Abidjan, en construction, et on utilise de la brique surtout, donc j'ai voulu aller voir un fabricant de pavés pour qu'ensemble, on fasse des pavés, qu'il m'explique son métier, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat-là. C'est hyper fatigant, mais c'est hyper crushant.
Ah bon, hyper crushant. Ouais. D'accord, donc c'est le crash test. Exactement. Juste après ça. Hello. Alors aujourd'hui, pour mon crush test, j'ai décidé d'aller fabriquer un des matériaux les plus importants dans la construction des routes, des ponts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un fabricant de pavés pour voir comment est-ce qu'on conçoit ces matériaux indispensables pour la construction de nos maisons, enfin de tout. Suivez-moi, je vous montre tout ça. Bonjour Mamoudou. Bonjour Sonia. Et aujourd'hui, j'ai décidé de comprendre comment est-ce qu'on fabrique les pavés. On m'a dit que vous êtes l'un des spécialistes. Déjà, les pavés, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire des pavés? Les pavés, ce sont les pièces comme sous forme de briques qu'on utilise pour mettre dans les parkings et les trottoirs. Souvent, les parkings pour que les voitures puissent stationner. Okay. Pour utiliser cela, il nous faut du sable, du gravier et du ciment. Un pavé, il y a plusieurs modèles. D'accord. Ce modèle, on appelle ça I-crampon. Dans ce modèle, il y a 35 pièces qui font 1 mètre carré. Bah, en fait, moi, je suis curieuse de voir comment vous arrivez à ça. Mais pour utiliser cela, on a des moules. D'accord, des moules. C'est en quoi? C'est quoi la matière des moules? Ce sont des caoutchoucs, c'est ça? Oui, oui, ce sont des caoutchoucs plastiques. Ok, d'accord. Pour utiliser, pour ne pas que ça colle, on utilise du gasoil. Ok. On vient là, on mélange le ciment avec du sable. D'accord. On attend 5 minutes okay. pour que ça soit bien propre. Comme que ce le soit comme ça tapis, oui, oui. Donc au bout de 5 minutes, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et il faut combien de temps pour que de ça, on passe à ça? Bon, ça, il faut une journée. Écoutez, moi, j'ai bien envie de pouvoir faire un pavé aussi. Comme ça, je vais dire à chaque que j'ai essayé que je suis une spécialiste, je peux me reconvertir. Donc. Okay. Pourquoi ça fait ça? Normalement, ça faisait 5 minutes. Si ça n'a pas réussi, voilà, c'est Mamoudou qui m'a blagué. Que c'était le moment d'enlever. C'est Mamoudou. Mamoudou, pourquoi pour moi n'est pas comme pour toi là? C'est parce que c'était pas bien sec, c'est ça? C'est pas dans ce métier que je vais me reconvertir. Je pense que je vais encore continuer à bosser avec toi, Sheik. Je suis encore chroniqueuse pour un moment. C'était mon crush test du jour. J'ai testé la fabrication de pavés. Franchement, j'ai aimé. C'est beaucoup de boulot. Je me sens déjà hyper fatiguée et vraiment force à Mamoudou qu'on va laisser bosser parce que je pense que je l'ai assez enquiquiné comme ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crush test. Alors, en tout cas, donc, tu vas me côtoyer un peu encore. Désormais, pour ceux qui souhaitent faire des pavés, c'est ça hein? Qui ne sont pas réussis, on sait à qui s'adresser. Non, mais tu sais, j'ai réussi après, j'ai retenté. Ah, d'accord. C'est ça qui a donné ça? Oui. T'as pas l'air de me croire. Non, tout va bien. Bon, j'ai tendance à croire ce que je vois. Et ouais, d'accord. Mais bon, c'était déjà bien pour l'initiative. Ça prend combien de temps? 5 minutes, c'est ça? Non, ça. C'est-à-dire, lorsque c'est dans le moule, ça prend 5 minutes pour le sortir du moule et pour ressembler à ça une journée s'il n'a pas plu. Mais s'il pleut. Ah, une ça journée, peut... ok. Et c'est quoi l'explication de le petit raté, là? C'était quoi? Du quoi? La raison? Le petit raté, là. Parce que quand tu l'as fait. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'au moment. Tu sais, quand on met le ciment dans le moule, il faut. Bien tapoté. Et apparemment, moi, j'ai pas bien tapoté. Tu sais piler le foutou? Oui, mais j'aime pas. J'aime plutôt faire du foufou. Foufou? Ouais, c'est pas le même procédé, en fait. Ouais, exactement. Okay, donc, d'accord. En fait, j'ai fait ça comme du foufou. Ouais. Et il fallait faire comme du foutou. Ah, donc c'est ce donc, qui a ça s'est raté. Ouais, là, tu as fait un peu comme du placali, en fait. Donc, le placali de pavé, servi par. Mais non, Sonia. Mais c'est vraiment hyper fatigant, mais c'était drôle. Cool. Merci beaucoup pour ce crash test. Sonia, retrouvez toute la semaine à la télé ici. J'ai lu quelque part que tu as commencé par du zouk. Oui. Ah bon? Elle n'a pas l'air convaincue.
Pas du zouk, en fait. Je faisais de la soul. J'étais plus soul avant. Ah, OK. Mais ça sort d'où, cette histoire de zouk? Ou bien j'ai été trompée? Après, j'ai fait des chansons zouk. Ah, OK. Après, j'ai fait une Donc, chanson. Tu changes comme une ça Une chanson ou... en passant. C'est quoi, au gré des humeurs ou au gré des... Je sais pas, enfin. Je suis une artiste polyvalente. Ça veut dire que je m'adapte. J'ai cette facilité à m'adapter en fonction des univers. J'essaye, je teste. OK. Je vais au feeling, je suis une artiste. Tu as touché aussi au zouglou, tiens. Ouais, ça j'ai quand même touché. Mmh. Ouais, je suis là, non. C'est vrai? Ouais, je suis en terre ivoirienne, j'ai vraiment touché au zouglou. C'est ça. Donc il faut s'attendre peut-être à un coupé décalé aussi, et peut-être. Non, je pense pas. Là-bas encore, c'est fort. Et pourquoi? Non, c'est fort pour moi. Ah bon? Là, c'est dosé. Ah. Ouais. Et le rap ivoire, peut-être? C'est dosé encore. Ah bon? Même mouvement des enfants, là? Non, je ne suis pas dans le mouvement des enfants, là. Ouais, le Maïmouna a remonté, là. Je ne suis pas dans le Maïmouna a remonté. Ah. Là, c'est fort. Bon, OK, c'est vraiment grave. D'accord. On va recevoir un invité surprise, enfin, inattendu. Il a tout fait pour qu'on le reçoive. J'avoue qu'on ne voulait pas le recevoir. Mais parfois, dans ces émissions-là aussi, on est un peu soumis, comment dirais-je, au dictat de certains aventuriers. Voilà. Mmh. Celui qui arrive, c'est un leader politique du nom de Charlie Bell. Il a tenu absolument à s'adresser aux téléspectateurs de la télé d'ici. Je vous prie de l'accueillir. Charlie Bell. Merci. Je voudrais profiter pour saluer Cheikh Ivan que je demande qu'on ovationne le coup. Je voudrais également saluer cette belle demoiselle, Sonia, et également saluer les invités qui sont sur ce plateau. Sans oublier la jeunesse représentée ici par ce beau public. Je vous laisse spécialement saluer un de vôtres, un chroniqueur, un fils unique. Mm-hmm. C'est un excellent humoriste. Mm-hmm. En lui seul, on retrouve la Côte d'Ivoire. En lui seul, on retrouve toute l'Afrique. Je voulais le saluer, mais malheureusement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ouais. Et chez nous, en Bété, il y a un proverbe qui dit « Manana poué, un lebe gebe poua ». Ce qui veut dire « Quand tu veux réclamer les ailes du poulet, il faut être là où on l'a découpé. Mm-hmm. » Même quand tu invites une jeune fille à manger, si tu veux voir comment elle va manger, il faut d'abord regarder comment elle va laver sa main. Mon grand-père m'a dit, lorsque le poisson sort de l'eau et qu'il te dit que le caïman a mal à la tête, il faut le croire. Disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne cherchent pas à comprendre. On dit non, Charlie Bell, quand c'était chaud au pays, tu as fui. Mais là-dessus, je pense que c'est Toumba qui a raison. Dieu m'a donné les pieds, c'est pour les utiliser. Voilà. Et les gens cherchent à créer une discorde entre moi et mon père. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils font ça? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Je ne comprends pas. Donc, moi je suis venu, je vais jeter un coup d'œil sur mon discours. Ouais, on dit non, il a trahi son père. Laissez-moi vous dire, nous avons été emprisonnés ensemble, nous avons été libérés, mon père est rentré en Côte d'Ivoire, moi aussi, bon, c'est vrai, j'ai duré, mais nous sommes en Afrique. En Afrique, j'ai été éduqué par les Africains. Et chez nous en Afrique, quand tu es encore, bon, tu es majeur, on ne te met pas caningban en public. Je ne parlerai jamais de mon père en public. C'est un peu comme Cheikh Ivan. Supposons que Cheikh Ivan est mon père. Il a son parti, qui est la télé d'ici. Moi également, j'ai mon parti, qui est la télé d'ailleurs. Oui. Quelqu'un d'autre peut venir créer aussi son parti,
qui est la télé d'à côté. Et on est là. Mais quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, ce n'est pas un déshonneur. Mais quand tu sais que tu ne sais pas et que tu cherches à savoir, c'est un art. D'accord. Chercher à comprendre les choses. On dit non, il a trahi son père. Je vous ai dit, j'ai été élevé par les Africains. En Côte d'Ivoire, précisément en Afrique, tu peux naître d'un père, mais c'est l'oncle qui prend toujours de vraies décisions. C'est un peu comme la dot. C'est l'oncle qui prend les décisions à la place du père. Bon. Mon père est rentré. J'ai duré. J'attendais simplement la décision de mon oncle. Et quand mon oncle a donné son accord, je suis rentré. Est-ce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que je ne suis pas président? Non, c'est ça. Et pour terminer, mon grand-père m'a dit, le plus courageux, ce n'est pas celui qui peut rentrer dans une forêt sacrée, même quand il a diarrhée. Le plus courageux, c'est celui qui peut laisser du vent quand il a une diarrhée. Je vous remercie. Bon, OK. Merci Charlie Bell qui va rester avec nous. D'ailleurs, on va profiter de sa grande connaissance des proverbes africains. Charlie Bell, voilà, qui va s'installer. Je vous remercie. Voilà. Mais Charlie Bell, vous ne parlez jamais doucement, hein, c'est ce que j'ai constaté dans vos discours. C'est mais toujours. Je suis né bété. Et un bété, ouais. Bon, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà, c'est ça. Bon, allez, merci Charlie Bell qui reste avec nous, voilà. Et voilà, Charlie Bell qui est un leader politique et qui a fait référence donc à son père, Lorenzo, et son oncle Adoras, de la série Telenovelas. C'est ça. Et son cousin, peut-être Sourès, qu'est-ce qu'on en sait. Bon, allez, il va rester avec nous, évidemment, on va décrypter tout ceci. On a toujours avec Isis King et Audrey. Audrey, mais juriste de formation, et tu peux nous expliquer un peu la transition, comment tu pars de ça à ça, pour parler comme Charlie Bell, de là à là. Bon, honnêtement, le droit, c'était plutôt un choix secondaire parce que je suis de prime abord passionnée par la communication. OK. Je voulais être journaliste quand j'ai eu le baccalauréat. Et on m'a plutôt conseillé, bah, Audrey, vas-y pour... On t'a imposé ou conseillé? Attention aux mots. Conseillé. Papa n'a pas dit non, vraiment, il n'y a rien dans cette affaire. Non, plutôt conseillé. OK. Pour des raisons de polyvalence, parce qu'on estime que si je fais du droit... avec un peu de communication, j'aurai une vision un peu plus élargie. Donc, j'y vais en fac de droit, mais la passion, c'est assez puissante. Je me dis, ben non, il faudrait que j'essaie. Et comme ça, j'ai un ami qui m'appelle dans une radio voilà, de la localité abidjanaise. J'y vais en tant que chroniqueuse sportive, chose que je ne voulais pas au départ, parce que le sport, pour une femme qui vient de débuter, c'est un peu compliqué. Et je ne pouvais plus continuer parce que les partiels devenaient assez intenses, c'était un peu compliqué. Je cherchais quand même quelque chose qui allait tout de même me permettre de continuer dans cette sphère-là. Et comme ça, une agence de communication m'appelle, Audrey, ça ne te dirait pas de poser ta voix sur un spot? Parce que cette agence t'avait entendu à la radio, j'imagine. Oui, okay. Oui. Vas-y, viens, je viens, je pose la voix, pratiquement 20 secondes, et je suis payée pour ça. Je suis quoi? Sérieux? Ouais, donc on peut payer des gens pour juste poser juste la voix? Juste ça, juste ça. C'est pas Isis qui dira le contraire. Hein. Elle, sa vie, c'est poser la voix pour vendre l'argent. Ouais. Et là, je me dis, bon, OK, étant donné que je peux pas continuer à la radio, ça me prend du temps, c'est un métier plus ou moins de liberté, je suis appelée sur des projets selon mon timing, donc pourquoi pas. Et c'est ainsi que je continue, voix off, doublage. Je commence à vraiment aimer la chose et je songe à transmettre ce que j'ai su, d'où l'école des métiers de la voix. Que tu vas fonder. Que je vais fonder sur la base de mon expérience. Donc tout part d'une passion enfouie que je n'ai pas pu exprimer comme il se devait. C'est ça. Et j'ai eu l'envie de l'exprimer autrement. Ça dure combien de temps, tout ça? Quoi ça? Ça démarre quand et voilà. Ça débute en 2018. 2018, OK. Bientôt 5 ans. Voilà, bientôt 5 ans. Et c'est allé très vite. Très vite. On va aller très vite à la pub. Et puis juste derrière, on va dérouler, on va parler de ça. Puis on a de petites surprises aussi pour nos téléspectateurs. Oula. Malheureusement pour vous et heureusement pour les téléspectateurs. À tout de suite. D'accord. We'll be right back.
sont toujours avec nous. Elles restent avec nous jusqu'à la fin de cette émission. André Keïta, juriste de formation en droit des affaires, entrepreneur, amoureuse de voix off, amoureuse de doublage, et qui l'a poussée d'ailleurs très tôt à fonder une école. Le métier, l'école, c'est quoi la fondation ? Les métiers de la voix. Effectivement, les métiers de la voix. Voilà, les métiers de la voix. À ses côtés, Isis Kingé, qui était bloquée, qui est partie et qui est revenue, et qui incite tout prétendant à vouloir évidemment se manifester ouvertement. Je sais que j'ai bien résumé l'affaire. On est avec Charlie Bell également, voilà, Charlie Bell, leader politique de parti fictif, et Sonia, qui est avec nous également, qui nous a appris comment fabriquer des pavés qui ne sont pas réussis. Parce que ça aussi, c'est un art. Hein. Il y a fabriquer des pavés bien faits, et puis il y a fabriquer des pavés qui ne sont pas réussis. Les grandes idées sont nées comme ça. Hein. Tu fais des erreurs, et après, bim. Ouais. Peut-être là, c'est... En fait, maintenant que j'y pense, c'est une nouvelle forme de pavé que je viens de créer, là, en fait. C'est ça, voilà. C'est vrai. Des pavés biodégradables. Exact. Voilà. Wow. Qui ne tiennent que le temps de sortir du moule et c'est bon, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut regarder un peu ce que fait Audrey pour un peu joindre l'utile à l'agréable, hein? On a un petit extrait qu'on a chopé, là. Oula. Sur les réseaux sociaux. Ça t'intéresse aussi de voir Isis Kingé, parce que j'imagine que jusque-là, tu ne sais pas trop de quoi on parle. Ouais. Oh, merci beaucoup. On regarde ça. J'espère que tu vas superbement bien. J'ai deux choses à te dire. Il y a une chose très importante et quelque chose qui est un peu bizarre. La voix off, c'est donner de la couleur à un texte. C'est faire vivre, c'est véhiculer même un message. Il ne s'agit pas seulement de lire un texte, il faut l'interpréter. Il y a aussi des musées extraordinaires. Oui, mais est-ce que je vous ai parlé du château de fromage ? Piccolo, ça fait des semaines que tu ne parles plus que de ça. Hey, look, another victim. Someone to try a new invention on. Good morning. Nice, whatever that is. Ta-da! For me? Ça, c'est toi? Au début. Bien sûr, au début. Mais non, pas cette version anglaise, par contre. D'accord, la version... ça demande quoi? Quoi comme aptitude pour réussir ça? Pour faire du doublage. Oui. Déjà, un beau jeu d'acteur. Il faudrait aimer tout ce qui a un rapport avec l'actorat. Okay. Une bonne diction surtout, une réduction d'accent incroyable, parce que, étant donné qu'on est ivoirien, il ne faudrait pas qu'on rappelle dans les contenus qu'on est ivoirien. Tout à fait. Et il faudrait aussi de la créativité. Mmh. Surtout les animations, ça demande énormément de créativité. Mmh. Parce que là, on crée un personnage. Et ne pas peut-être avoir peur du ridicule en griffe. De toutes les manières, on ne nous voit pas. On nous entend. Ouais. Donc, on y va, on se lâche, quoi. Il n'y a pas de limite. D'accord. Nos limites. C'est ce que moi, je veux retenir. Nos limites. Il y a ce qu'on appelle ici dans cette émission, chacun connaît son travail. En fait, je veux t'amener à t'amuser à faire des choses. OK. Si ça te dit, bien sûr. Pourquoi pas? On peut, non? Isis, on peut? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Isis, elle est très gentille. Elle, on peut. Chacun connaît son travail. Juste après ça. Je vais te donner un texte. Oula. On l'a ou pas le texte? En fait, voilà, Sonia. Sonia, c'est la méchante de cette émission. C'est-à-dire qu'elle. Partout, tout. Il faut soumettre les invités elle, à des elle choses. Elle est la méchante de l'émission, c'est elle. Hein? Elle a toujours des histoires. Non, elle va le faire, Audrey. Voilà. Okay. Ah, tu veux le faire aussi, Isis? Non. Ah, pourquoi pas, hein? Non, je vais pas les voir off. Si, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, attends, Audrey. Elle va juste essayer quelque chose. Ça nous permet de voir, en fait, l'exemple à ne surtout pas suivre. Un peu comme la fabrication du pavé, et puis le modèle réussi, hein. Le modèle assuré. Alors, d'abord, lis-nous normalement le texte. Oui. Ce que tu as sous les yeux. OK. Ouais. La télé d'ici est une émission diffusée en accès prime time. Du lundi au vendredi, de 18h30 à 19h35, présenté par Cheikh Ivan, ce programme est un talk show qui traite des questions de société, de politique, d'économie, de culture, de tic et de santé. Très bien. Là, tu as lu normalement, on va dire sans accent. Oui. Est-ce que tu peux le relire ou le redire, mais avec un accent de... Tu es de quelle partie du Cameroun? Quelle zone? Du littoral. Du littoral? Voilà. Non, le nord, avec un accent du nord. C'est possible? Avec un accent du nord? Oui. Déjà, il faut qu'on... Dis-nous d'abord, c'est quoi l'accent du Nord? Déjà, l'accent de chez elle. Il ne faut pas qu'elle nous piège. Non, ça sera trop facile, ça. Non, il faut qu'elle nous montre l'accent de chez elle. Bon, OK. L'accent du Littoral, c'est le sien. Oui, l'accent de chez toi, c'est comment? On n'a pas d'accent. OK, vous n'avez pas d'accent. Non, sérieux. Sérieux. Ceux qui disent comment, donc?
Ça, c'est l'accent général de tout le Cameroun. Ah. C'est bon pour une seule personne. Bon, allons-y, en mode comment donc. Donc, bon. Comment donc D'accord. La télé d'ici est une émission diffusée en accès prime time du lundi au vendredi de 18h à 19h35, présentée par Cheikh Ivan. Ce programme, un talk show qui traite des questions de société, de politique, d'économie, de culture, de tic et de santé. Et de santé. De la santé. De santé. OK. Allez, on va passer maintenant le texte à... À Audrey. D'accord. Audrey, ce qui va se passer, donc, caméra sur Audrey. Oula. On fera un picture. Il faudra redire le texte en mode dessin animé. Ah. Comme D'accord. tout à l'heure. À toi de choisir le personnage. 3, 2, 1, let's go. La télé d'ici est une émission diffusée en access prime time du lundi au vendredi de 18h30 à 19h35. Présentée par Cheikh Ivan, ce programme est un talk show qui traite des questions de société, de politique, d'économie, de culture, d'éthique et de santé. Allez. On va le dire cette fois, mais de façon sexy. En mode, c'est Brie ou je sais pas qui là, dans Desperate Housewives. C'est Gabriel, en mode Gabriel. En mode Gabriel, bon, enfin pas la voix de Gabriel. La voix, mais, bon. Mais en mode sexy comme elle. Ouais. Sensuel. Dream ouais, girl, ouais. Dream girl. Moi j'aurais dit sensuel, ça c'est le mot de Sonia, sexy. Voilà. Sensuel, c'est mieux, sensuel, non tu vois. Sensuel. D'accord, on va y aller. Let's go. La télé d'ici est une émission diffusée en access prime time du lundi au vendredi de 18h30 à 19h35. Présentée par Cheikh Ivan. Ce programme est un talk show qui traite des questions de société, de politique, d'économie, de culture, de tic, de santé. Non, mais il y a le musicien qui est en train de faire comme ça derrière. Le musicien est en train de faire comme ça. Ah, c'est vrai. Il faut notre soliste au froid. C'est au chocolat. Comme j'aime bien le chocolat, ouais. Ça passait plus. Alors, avant de poursuivre, j'ai une question. Mm-hmm. En fait, pour pouvoir sortir cette façon de parler, là, j'imagine qu'il y a une mimique, qu'il y a une gestuelle corporelle qui va avec. Oui. Parce que là, on ne te voit pas, mais je t'ai quand même vu te contorsionner d'une certaine façon. Effectivement. Ouais. Parce que même quand on fait de la voix off, je conseille tout le temps, il faudrait mettre de la mimique, il faudrait s'approprier de l'espace, il ne faudrait pas rester là. Et donc, pour toi, être sensuel, c'est bouger les épaules. Il faudrait que je me sente dans le truc, d'une certaine manière. Ah ouais. Tu es au sommet de ta sensualité, là. Mais oui, c'est un jeu d'épaule. On a été servis. Je suis assise, au moins, si j'étais face à un micro, j'aurais fait quelque chose d'un peu plus différent, qui sait. C'est vrai? Est-ce que tu peux le lire de façon amoureuse, cette fois? C'était déjà sensuel, non? C'est pas amoureux, ça va être sensuel. Non, mais on a une spécialiste ici, en fait. C'est elle, bon, elle, voilà. Là. Spécialiste des chagrins d'amour, de tout, celle qui... Je sais vraiment pas. Bon, elle sait vraiment pas. Je sais vraiment pas. Parce que... Faisons-lui un mode spot publicitaire. OK. Beaucoup plus speed cette fois, plus rapide. Votre Keïta, ça va aller, hein? Tu veux un peu d'eau? Effectivement. D'accord. Oh, il est là, là, mon cher, quand même. Alors, il y a de l'eau pas très loin. Ah oui. Comme ça, il n'y a pas de... On va pas se dérober. C'est suffisant ou tu en veux encore? Non, ça va. Super. Tu veux la lunette de Isis ou... Parce que ça va être chaud, hein? Bon, allez, ça donne quoi? Un mot de spot publicitaire. D'accord. La télé d'ici est une émission diffusée en Access Prime du lundi au vendredi de 18h30 à 19h35. Présentée par Cheikh Ivan, ce programme est un talk show qui traite des questions de société, de politique, d'économie, de culture, d'éthique, de santé. Et un mot de... En mode go Michel, ça va donner quoi? En mode homme. Là, je vais quand même essayer. Monsieur, va dire quoi? Cinquantaine? Non. Mais si, elle a le bon ton de voix même pour ça en plus. Monsieur de la cinquantaine, un peu non, plus de. Oui, le gars de tout à l'heure que tu avais fait. Ah, le gars de tout à l'heure. Oui, c'est ça peut-être. Exactement. Je sais pas, D'accord, mais du genre spot. Non, pas spot, non. Ah, okay. Allez, vas-y, pour le coup, tu y vas franco, quoi. Okay. La télé d'ici est une émission diffusée en access prime time du lundi au vendredi de 18h30 à 19h35.
Présenté par Cheikh Ivan, ce programme est un talk show qui traite des questions de société, de politique, d'économie, de culture, de dick et de santé. On va pas t'infliger davantage, c'est bon là, je pense que tu as. Hein. Allez, vas-y, faut te désaltérer encore. Oh mon amour, tu m'as tellement manqué. Merci beaucoup, c'était très bien. Et tu t'exerces comment? Tu ne peux pas qu'écouter. Je m'exerce en m'inspirant d'autres voix également. Mm-hmm. La plupart du temps, ça a été les voix françaises qui mm-hmm. m'ont beaucoup inspirée. Donc, je prends la peine d'écouter, d'enregistrer, d'essayer d'imiter, de m'améliorer au fur et à mesure. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que je m'entraîne, quoi. D'accord. En imitant au maximum, okay. en essayant de me rapprocher le plus que possible, en essayant aussi de créer des voix, mm-hmm. des onomatopées, de voir qu'est-ce qui peut passer. Ça a été quoi le plus challenging, le plus... Comment dire ça ? Complexe, peut-être, pour toi, la voix que tu devais camper ? Voix que je devais Personnage, camper Personnage, ouais. Ça a été l'animation pour la première fois. Parce qu'imaginez quelqu'un qui fait de l'animation radio, qui parle de sport, qui se retrouve là face à une bande rythmo, et qui fait de l'animation et dont on lui dit « Fais la voix des voitures ». Quoi ? Des voitures ? La voix des voitures ? Oui, c'était... Des voitures en une voix ? Drakkers, la série, là. L'animation, Okay. on m'a demandé de faire la voix des voitures. Mm-hmm. Je me suis dit, mais sérieux ? Quelle voix je vais donner à la voiture ? Mm-hmm. Parce que la voiture, c'est pas un être. C'est ça. C'était vraiment le coup le plus dur de ma carrière. Mais bon, tu as dû gérer. Effectivement, je me suis débrouillée avec une voix assez radiophonique au départ. Ouais. Et au fur et à mesure, à force de faire, c'est D'accord. possible. Isis, toi, tu t'entraînes comment, ta voix ? Comment tu l'entretiens ? Les vocalises, comme tout artiste. Hein. Ah bon ? C'est-à-dire ? Chaque artiste a son secret. Mais oui, lui, il va par exemple à Bassam, star le soir, ouais. en bordure de mer, ouais. et puis il crie, jusqu'à perdre sa voix. C'est ce que tu fais, toi, dans le littoral ? Non, après, moi, je fais du sport et tranquillement à la maison, des fois avec mes écouteurs, je fais mes vocalises, des fois quand je fais du sport, des fois quand je marche aussi. Ouais. J'ai peur de te demander de refaire ça ici, il ne faut pas que tu perdes ta voix avant le live. Vas-y. Non, je dis de te demander de le faire. Non, mais elle risque de perdre sa voix avant le live, non ? Non, elle dit, c'est ce qu'elle fait pour généralement chanter. Donc, au contraire, ça va la mettre en jambes. Là, si tu fais tout de suite, est-ce que tu pourras chanter ? Pour chanter tout à l'heure. Je peux toujours chanter, on le fait. Ah, oui, mais faire, non, puis... après, pourquoi ? Ah oui, mais c'est ce que je dis. J'ai trop bien mes copies là pour... Tu as fait quoi ? J'ai trop bien mes copies là. Ah, oh, non. Non, elle dit, elle est trop fraîche là pour faire... Oh, c'est, ouais. ça. Ouais. c'est lié à la fraîcheur ? Non, pas du tout. Bon, je suis perdu. Je dis non, mais non, là, on ne peut pas le faire. Oui, ne peut moi, pas c'est ce que faire. Je dis depuis voilà, le départ. D'accord, et Sonia insiste pour que tu le fasses. Mais si elle le fait, elle ne pourra pas chanter, elle risque de perdre une partie de sa voix. Et Sonia dit quoi ? Non, j'ai dit exactement. D'accord. Donc, Sonia. D'accord. Mais tu bois des choses particulières, des choses que tu ne bois pas ? Non, je bois tout. Hein. Bah, après, il faut boire chaud. Garder une voix pas très chaude, tiède. Ça dépend chacun ses astuces, miel citron, citron gingembre, de l'eau tiède avec du sel, ou alors du jaune d'œuf. Ça dépend chacun à son. Ça tombe bien. On a du jaune d'œuf dans Pourquoi cette émission qu'on va ramener maintenant. Pour... Non. Elle, pas moi. Elle. Oui, après tu la vales comme. Mais chef, pourquoi tu vas. On va ou bien tu bois ça juste non, comme ça, on doit. Non, le cave là, et puis. On casse c'est juste. Ça nettoie. Ok, cassez juste. Mais j'ai pas vraiment envie de la nettoyer là maintenant. Là. Ah, ah, ah. Nous, dans cette émission, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on dit, on l'a. Ah bon, hein. Tu veux nous tester ? Non, je ne veux pas vous tester, je crois. C'est une petite chose. Moi, j'allais dire, il me faut des diamants pour chanter. On t'aurait ramené, mais bon, comme tu dis rien. Si, on en a. Non, mais elle dit que non, elle n'a besoin de rien. Ah, elle n'a besoin de rien. Oui, des fois aussi, quand je veux beaucoup vocaliser, il me faut quelques liasses de biais. Et On a des biais qu'on va ramener. D'accord. Des faux biais. Non, de vrais biais, de vrais biais. Bah, cette affaire-là, comment ça de... Non, tu n'as pas précisé. Tu as dit que tu veux des biais. De vrais biais, de banque. Mais tu as une préférence pour la devise ? Plutôt euro, dollar. Non, on reste sur le français. Français, c'est Mac. Oui, mais les billets de 10 000, ça va, c'est bien. C'est bien. Allons regarder un peu ce que fait Isis Kingé. On a préparé un petit medley. Hein, ça va nous permettre d'oublier cet épisode des billets et tout qu'on n'a pas. Let's go.
C'était toi sur le premier extrait? Oui. C'est vrai? Oui, avec mon tout premier single Bondi. On peut ramener cette image, s'il vous plaît, pour qu'on la décrite? Ah, j'étais toute maigrichonne. Ah, c'était toi, ça? C'était moi, hein, vraiment, la vie change avec l'eau lave, mais la genre en propre. C'est un truc. Ah ouais. Non, j'ai dit, l'eau n'a pas que lavé l'eau. Hein. Non, mais là, j'ai des formes. J'ai des fesses, mais j'avais pas assez de poids, j'étais toute maigrichonne, tu vois. Nous parlons musique, s'il vous plaît, ou pas? Mais oui. Je sais pas de quoi elle parle. Elle est toujours en train de me taquiner sur le plateau, là. Ah. L'affaire si de rétro, là, c'est compliqué, hein. Faut que j'en sorte, là. Non, mais Sonia disait qu'elle n'a pas fait que laver, en fait. J'ai dit l'argent n'a pas fait que laver. Apparemment, l'eau ne fait pas que laver. Non, l'argent. Pardon, l'argent ne fait pas que laver. Elle dit l'argent rend propre. Ne rend pas que propre. Ouais, ça... Ça fait comment? Ça arrondit aussi. Il y a tout ça dedans, mais mange, ça rentre. C'est pas du jeu. Tant que tu vois comment tu vois pas de mots. C'est ça. En tout cas, il nous faut de l'argent. Je me rends compte que j'ai pas encore l'argent. Ah, vraiment, hein. Vraiment. Non, mais je sais que je veux parler, mais il ne veut pas sortir le mot, là. C'est ça, quoi. Troisième tableau de la télé d'ici, toujours accompagné de Audrey Keïta, spécialiste des voix, qui a aimé la communication, qui a été forcée à aller vers le droit et qui finalement a été rattrapée par les voix. C'est un peu une façon, on ne peut plus précise, de résumer sa vie. À ses côtés, celle qui s'est faite aussi chantre des choses de l'amour d'une Dolo, hein, originaire du littoral, qui désormais est originaire de la Côte d'Ivoire, voilà, parce qu'elle refuse de repartir. C'est Isis King qui sera d'ailleurs dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. On va parler un peu cinéma. C'est un peu le dada de notre chère Sonia. Pas que, il y aura de la musique aussi. Ah, il y aura de la musique? Oui, à Frima. D'accord, très bien. OK. On a quelque chose avant ou pas? Oui, si tu veux. Yes. Fais Paco. Alors, sur plus de 1000 films qui ont été présentés, qui venaient de 35 pays, c'est seulement 170 films qui ont été retenus pour cette 28e édition du FESPACO qui se tiendra du 25 février au 4 mars sous le thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Alors, la Côte d'Ivoire est présente que dans 4 catégories. Alors, donc, les 4 catégories, je vous dis vite fait, il y a les films des écoles de cinéma. Donc, il y a 22 films qui ont été retenus venant du Bénin, du Cameroun, du Gabon. Et parmi ces 22 films, 3 films viennent de la Côte d'Ivoire, d'une université ivoirienne, dont l'ISTC, pardon. Il y a « Sur les traces de mes ancêtres » de Zainab Soumoro, « Les adoratrices du Bosson » de Ortiniel Bozic et de l'ISTC aussi. Et un troisième qui s'appelle « Sauvetage » d'une autre école. Mmh. Ouais, Bosson. Et une autre, donc « Sauvetage » d'une autre école de la Côte d'Ivoire qui est réalisée par David Efali. Dans la compétition série, là, je pense qu'on a... Voilà, on s'est lâché. Donc, il y a 11 films qui ont été sélectionnés. Il y a 4 qui viennent de la Côte d'Ivoire en France. 11 séries, c'est ça, ivoiriennes ? Non, 11 sélectionnés. Il y a 4 qui viennent de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais je vais te dire... Je pense 5. Mais je vais te dire pourquoi la 5e, je la mettrai. Donc, il y a ici, c'est Babi de Boris Houé. Il y a Obatanga d'Alex Ogou qui a démarré depuis pas longtemps. Il y a Le syndicat de Nuka. Il y a Un homme à marier de Jean-Jules Porquet. Et je mettrai de plus en plus loin... qui est une série burkinabée comme ivoirienne parce qu'elle a été produite, coproduite par Alex Ogou et c'est une idée originale de Boyeri. Michel Boyeri. Donc, okay. Moi, je considère que bon, on a 5 films en compétition. D'accord. Compétition animation, on n'a que 2 films sur 16. Donc, c'est Ipa, le sang mêlé, c'est de Beaumalé Christian et Kwaba de Pierre-Marie Sando. Et dans la compétition documentaire, c'est Je reste photographe de Anaïs Leki,
qui a déjà remporté quand même pas mal de prix avec son film. Donc la Côte d'Ivoire est quand même absente de la compétition des courts-métrages, Perspective et la section parallèle Panorama, mais surtout de la plus importante, long-métrage. Donc ça veut dire qu'on n'a aucune chance de remporter les talons d'or de Yenega, que je rappelle qu'on a remporté la dernière fois en 1993 avec Au nom du Christ de Yuan Bala. Donc cette année... Il n'y a aucune chance, il n'y a vraiment aucune chance. Il n'y a aucune production ivoirienne. Pour se consoler, j'ai quand même regardé dans les films qui sont en compétition, est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui jouent dedans? Donc il y a Mami Wata du réalisateur nigérien, Siji Obasi, il y a Evelyn Illy qui joue dedans, et Sira d'Apolline Traoré, Mike Danoy était venu nous en parler, qui est dedans. Donc on va se consoler avec ça, on va dire, même s'il n'y a pas de film ivoirien, il y a des Ivoiriens qui jouent dans des films, et on peut peut-être remporter par procuration les talons d'or de Yenega. Par procuration. Et dans le jury, il y a un Ivoirien qui sera président du jury pour la série, pour la catégorie série télé et animation. C'est l'Ivoirien Nyama Badi. Et dans les autres présidents du jury, il y a Kounle Afolayan, le réalisateur nigérien. Il y a Bouchra, qui est de la Tunisie. Bref, c'est vraiment un beau panel de jurés. Et sans transition, je vous dis, on quitte le Burkina, on va au Sénégal. On sait depuis hier, on sait qui sont les gagnants d'Afrima. J'ai été sur le site, c'est pas encore actualisé, donc on n'a pas la liste de tout le palmarès, mais quand même, j'ai regardé les tweets. Le meilleur artiste de l'année, c'est Burna Boy. Quelle surprise, j'ai envie de dire. Mm-hmm. David Doe est reparti avec 5 points. Il était présent à la cérémonie ou pas, non? Non, dans les images, je n'ai pas vu de Burna Boy. Mm-hmm. Donc j'attends quand même le palmarès et les infos officielles. David Doe est reparti avec 5 prix, donc celui de la meilleure collaboration africaine pour son titre Champion Sound et celui du meilleur artiste pop africain, Fally Ipupa, meilleur artiste masculin de l'Afrique centrale. Les gens ont compris pourquoi j'ai incité chez Fally Ipupa. Ah bon. Et Didi B remporte le prix de la meilleure chanson de l'année avec Tala. Mm-hmm. Et José, notre José National, remporte le prix de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. Donc quand j'aurai tout le palmarès, je vais revenir dessus. Mais félicitations à nos deux D'accord. éléphants. Merci Sonia pour ce retour sur les sélections FESCAPO et le palmarès en partie de Afrima. Pour cette édition 2022, c'est 2022, hein? Oui, Afrima 2022 et FESPACO. Décerné en 2023. Pour le FESPACO, d'après certaines indiscrétions, le FESPACO a décidé cette année de recentrer la sélection sur des films d'auteurs. Donc ça élimine de facto tout ce qui est film de comédie. C'est vrai que l'édition précédente, les trois Alaskar avaient été primés, mais ça ne sera plus le cas pour ce que je sais. C'est ça les films de festival, j'ai pas trop compris non plus. C'est ça. Ah par contre, ça a relancé le débat sur la longueur des productions. Par exemple, dans la catégorie série, il y a des séries de 13 minutes qui se retrouvent en compétition avec des séries de 26 minutes et de 56 minutes. Ça a relancé le débat pour dire que c'est vraiment pas équitable. Mm-hmm. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine, mais bon, à voir. Ça te dit le cinéma, Isis? Ouais. Ah bon? Tu veux bien jouer dans un film? Je crois que j'ai joué dans les coups de la vie. Je crois. Ah, elle ok. Dit, elle croit qu'elle a joué. Ah, tu crois que tu as joué dans les coups de la vie? Tu t'en souviens plus? Ah, ok. C'était quoi le rôle? J'étais une Camerounaise qui avait, d'accord. Qui a fait un enfant avec un Ivoirien et qui voulait amener le gars au Cameroun. Ça sent le vécu, là. Elle ça le dit sent avec le vécu comment? C'est ce que... C'est Franck Vléhi qui a écrit le... Ah, ok. Donc, une Camerounaise, jusque-là, il n'y a rien de nouveau, ouais. Qui tombe enceinte d'un Ivoirien. Ouais. Ce ne sera pas la première fois. Et, sauf que là, elle décide de le ramener au Cameroun. Au Cameroun. Oui, c'est ça qui est un peu compliqué. Oui, on le ramène aussi maintenant à la maison. Parce que généralement, c'est la femme qui reste. Voilà. Mm. Mais après, l'histoire, c'était du genre, il a une autre vie ici aussi, donc c'est difficile, il n'arrive pas à faire un choix. Mm-hmm. Et c'était un peu ça. Mais sinon, tu te vois dans quel rôle, d'après toi, tu réaliserais parfaitement lequel des rôles, toi, si on te demandait de choisir? Vu mon personnage et mon tempérament, je ne sais pas trop, hein. Mais comme on dit, une actrice, après, ça joue le rôle qu'on lui donne et tu essayes d'entrer dans le moule. Ça, c'est sûr. Ça, on le sait. Je mais pense toi, que j'entre dans que... tous les moules. Hein. Ah, dans tous les moules. Oui. OK. OK. La juriste de formation, le cinéma? Bah oui, ça m'intéresse, mm-hmm. étant donné que j'ai plutôt fait du doublage aussi. Oui, tu l'as fait jusque-là, dans l'ombre. Dans l'ombre. Et quand tu passeras devant la caméra... Ça serait bien, pourquoi et tu pas. Penses que c'est lequel des rôles qui te siérait? Bah, plutôt une femme d'affaires assez stricte. Ah, en mode, le diable s'habille en Prada, quoi. On peut dire ça. On peut dire ça. D'accord. En fait, je suis en train de visualiser là, du coup, sur de hauts talons, 8 cm, tailleur. En tout cas, elle a la bonne voix pour le rôle. Ouais. Après, il y a l'expression du visage, mais il faut que tu sois un peu très méchante. Strict.
Avec le droit, ouais. On l'apprend très facilement. C'est vrai. Le fait d'être difficile. Ah, ça, je ne savais pas. Alors, on a manqué une info. Il faut quand même qu'on revienne dessus. C'est une information importante. L'histoire de Fally, c'était quoi? Parce que tu as dit que les gens comprenaient, mais nous, on n'a pas compris. Si, tu sais, depuis le doublage avec Fally, où tu m'as obligée à dire, tous les jours, je reçois des messages qui me disent okay. La seule fille dont Fally n'est pas le genre. La seule femme dont Fally n'est pas le genre. On s'est amusé à faire ce qu'on appelle nous ici LTI donc... Dubbing Studio, c'est-à-dire qu'on diffuse des images et on demande à nos invités de faire du doublage, de faire ce que tu fais et tout. Mm-hmm. Et ce jour-là, Fally, c'était quoi comme extrait d'ailleurs? C'était Aya de Yopougon Aya de et Yopougon. Dans l'extrait, il y a un gars qui essayait de draguer Aya et Aya disait que le gars n'est pas son genre. Donc moi, je devais dire que Fally n'est pas, pas son genre. Et c'était pénible pour elle, c'est très compliqué pour elle. Tu vois, je ne suis pas la seule. C'est compliqué. Non, je n'ai pas dit c'est mon genre. Mais c'est dur quand même de dire à Fally, qui est dans toute sa falliance, que c'est est-ce pas ton que genre, c'est tu ton vois. Genre. Non, c'est, mais c'est Fally. Il dégage un truc. Ça veut dire que si quelqu'un a sa faïence, il devient ton genre. Non, si, il a la falliance. De Fally. Je sais pas. En fait, il y a une énergie, il faut la vivre. Ça veut dire quoi, faïence? Non, la falliance, c'est ce que Fally... la falliance. Fally dégage. Tu peux pas sentir ça. Tu peux... C'est fort. Heureusement. C'est fort. Voilà, il peut pas sentir ça. Heureusement. D'accord. Tu vas chanter tout à l'heure Verset illogique. Pourquoi tu as choisi ces deux titres? Parce que Verset, c'est mon nouveau single qui vient de sortir. Verset avec ER, donc le verbe à l'infinitif. Et non Verset comme dans les livres saints. Ouais. Mm-hmm. Et c'est le tout dernier qui vient de sortir. Nous sommes en promo dessus. Mm-hmm. Et comme on a demandé deux chansons, je me suis dit illogique, c'est une chanson que j'aime particulièrement. Donc j'ai proposé les deux. Tu l'aimes pourquoi cette chanson? Parce que c'est une histoire vécue. Et je crois que quand je racontais l'histoire, c'était un moment précis où il fallait que je tourne la page. C'était quand tu étais mince, là, ou non? C'était à quelle époque, pour qu'on comprenne? Non, c'était à l'époque où j'étais MD Abidjan. Donc j'étais à Akos, déjà Abidjan, quand tu étais bloqué. J'ai quitté du Cameroun. Oui. Voilà. Ah, donc tu avais tourné la page du Cameroun pour ouvrir celle de la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit, là. Ah, OK. Et c'est ce que Frank Vlehi donc, a mis en série. Ouais, on va dire oui, ça comme ça. Hein. Donc, apparemment, c'est le seul épisode des coups de la vie qui est basé sur une histoire vraie, apparemment. L'histoire de Isis Kingé. Apparemment. Une prestation live vaut mieux que 1000 paroles, on pourrait le dire. On marque une pause. On se retourne dans quelques instants vers la scène de la télé d'ici pour écouter l'histoire vraie, difficile, pénible de Isis Kingé, qui finalement a réussi à se remettre de cette histoire après avoir rencontré l'Ivoirien de son cœur, juste après la pub. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le coup, dernier virage. Je vais gentiment dire merci beaucoup à Audrey Keïta d'être passée nous voir. Mais merci beaucoup à vous. Good job pour cette voix et pour ces voix, je devrais dire. Merci beaucoup. Ça va continuer ou pas ou c'est... Non. Oh, tout dépend de vous. Ah bon? OK. Bon, en tout cas, c'est très bien. J'ai été bluffé, c'est très bien. Merci beaucoup d'être passée nous voir et tu restes avec nous, il y a de la musique. C'est ça la bonne affaire. Charlie Bell. La politique et la musique aussi, bon, ça... Je préfère rester toujours dans la politique. C'est ce que je sais mieux faire. D'accord. Voilà. Mais le Eiken, Ken, Dodo Parado, non, ça c'est le père. Ça c'est mon père. Ah, c'est le père. Voilà. Sinon, il y a mon grand-père qui m'a encore dit, hein? Quand tu fermes ta fermeture éclair et que ça attrape un poil, c'est là que tu comprends le vrai sens de il faut mieux reculer pour mieux sauter. Ah. Sonia, à demain. À demain, chef. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Je propose qu'on recule tranquillement et qu'on permette donc à l'artiste Isis Kingé de sauter en chanson sur la scène de la télé d'ici. Elle nous chante Illogique et Verset. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Les beautés divines te laissent.
Moi j'ai rien compris. Oh non. C'est toi qui parles mais tu pleures. C'est illogique. Mais pourquoi tu fais ça? Oh non, moi j'ai cru en toi et c'est la fin. Tu me fragilises à chaque fois tu reviens. Et ben j'aime les mains moi dans ta terre. Moi t'y tendais dans l'eau, ça me fait mal. Non, ne me fais plus ça. C'est toi qui pars et puis tu pleures. C'est illogique. Mais pourquoi tu fais ça? Yeah.
aussi on me rechauffe. Maintenant quand il fait nuit, même si je dors à quatre pieds, je dis que je n'ai plus froid. Moi aussi on me rechauffe. Maintenant quand il fait nuit, moi aussi je suis comme dans mes reins. Qu'est-ce qu'il y a lourd, Daphné? Bravo, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci d'applaudir. Isis Kingé. Ce programme vous a été présenté par lonacyonline.ci.